Bien, bonjour, merci d'être venu ou revenu. Euh, donc, euh, avant de commencer le cours, je vais essayer de vous expliquer un peu euh, la manière dont il sera structuré sur l'ensemble des huit leçons. Et donc, il y aura, dans la tradition du Collège de France, à chaque fois un cours et un séminaire. Euh, il y aura quelque chose de plus euh, pour les gens que ça intéresse. L'après-midi, on aura une séance de travail. Euh, puisque le collège, la tradition du Collège de France c'est d'enseigner la science qui se fait, ça ne me semblait pas inutile que la science qui se fait se fait aussi euh, avec les thésards. Et donc l'idée c'est qu'il y aura l'après-midi une réunion informelle dans une salle qui doit être la salle numéro 4, où des étudiants ou des collègues qui travaillent sur des sujets qui ont été abordés le matin feront des présentations courtes et qui devront, et, et après quoi on fera une, une discussion sur les questions ouvertes sur les différents thèmes. Donc chaque, jour, chaque vendredi, on aura le cours, le séminaire, le temps de se restaurer entre le matin et l'après-midi. On reprendra de 14h à 17h avec des séries d'exposés ou de discussions dans la salle numéro 4. Bien. Euh, évidemment, les, dans la grande tradition du collège, les choses sont toutes, les, tous les, tout l'ensemble est ouvert. Et une autre chose qui me semble importante, c'est... Euh, les séminaires de l'après-midi ne sont pas fixés. C'est-à-dire s'il y a des gens qui travaillent sur ce domaine-là, qui ont envie d'expliquer ce qu'ils font dans ce domaine-là, la règle du jeu, c'est évidemment de ne pas prendre les trois heures pour expliquer de ce qu'on qu fait soi, mais la règle du jeu est aussi que c'est ouvert. C'est-à-dire s'il y a des gens qui veulent venir parler, qui me fassent signe, et on pourra fonctionner comme ça. Bien, alors, euh, l'esprit du cours, comme je vous l'ai dit, était d'aller du matériau de rencontre au matériau sur mesure. Chacun des blocs ici correspond à chacun des huit cours qui vont être donnés. Aujourd'hui, on va regarder le bloc matériau architecturé multifonctionnel. C'est-à-dire, d'une certaine manière, la façon dont les cours vont être organisés. On va commencer par le matériau architecturé multifonctionnel, puis on va redescendre dans les échelles pour voir un peu les différentes exigences dont on a besoin pour, pour disons, boucher les trous dans l'espace des matériaux. Puis on terminera par les matériaux bio-inspirés, c'est-à-dire on va faire un aller-retour euh, euh, du côté des matériaux euh, qui doivent remplir des fonctions multiples. Donc matériaux architecturés multifonctionnels, euh, voilà la logique qui est derrière. La logique qui est derrière est de dire l'espace des matériaux, si on le met en termes de performance ou en termes de propriété, est essentiellement un fromage suisse, un fromage de gruyère avec des gros trous et que ce qu'on cherche pour remplir une fonction donnée, et généralement correspond, enfin très souvent, correspond à un matériau qui n'existe pas. Donc on essaye de créer ce matériau, et pour créer ce matériau, la tradition consistant à dire je vais optimiser euh, la chaîne moléculaire ou je vais optimiser le traitement thermique de, de l'alliage ne euh, suffit pas nécessairement, et l'idée des matériaux architecturés, c'est de dire pour remplir cette fonction-là, on va associer des matériaux, et associer des matériaux avec une géométrie. Donc cet exemple simple qui est le cas d'un câble qui devrait avoir à la fois des propriétés de tenue mécanique, par exemple pour minimiser le nombre de pylônes, et des propriétés de conductivité électrique, et de dire bien, si je prends un matériau qui a une bonne tenue mécanique, généralement ce n'est pas un très bon conducteur, même parmi les métaux et alliages. Si je prends un matériau qui est un bon conducteur, c'est généralement du chewing-gum, même parmi les métaux et alliages. Si je veux avoir les deux, bien, il faut que je marie les deux. Et là, je vous ai fabriqué un matériau virtuel qui est un mélange de cuivre et d'acier. Alors vous allez me dire, ce truc-là, pour, pour peu que je le mette dans une atmosphère qui est un petit peu corrosive, je vais avoir des ennuis assez sérieux. Mais virtuellement, ce matériau-là est intéressant parce qu'il permet d'avoir une combinaison de limites d'élasticité et de résistivité qui nous permettent de trouver dans cette zone de matériaux où il n'y avait personne, où il n'y avait aucune possibilité. Alors, euh, vous voyez, pour construire ce matériau virtuel, et là, vous avez l'essentiel des ingrédients, vous avez marié des matériaux ensemble, vous avez joué sur une géométrie, euh, vous avez éventuellement joué sur une échelle, mais quand vous, faites, quand vous mariez ces matériaux ensemble, et bien pour pouvoir dire quel est le matériau virtuel que vous avez fabriqué, vous avez besoin de modéliser les propriétés de ce matériau virtuel. Alors là, c'est un cas de figure qui est particulièrement trivial, puisque vous êtes en train de prendre des fils qui sont en parallèle et que la résistance mécanique va être une moyenne pondérée des résistances mécaniques de chacun des fils, et que la conductivité va, une moyenne, va être une moyenne pondérée des conductivités de chacun des fils. Mais il n'empêche que ce cas-là est assez trivial, euh, mais vous montre la raison pour laquelle la modélisation va jouer un rôle crucial dans la fabrication de matériaux architecturés. Alors, quelle est la logique qu'on a fait derrière ça euh, Toute la logique de, du cours est de dire on part de requêtes. On fait une analyse fonctionnelle. Et là, par exemple, un câble électrique, je veux à la fois une conductivité longitudinale, une, iso une isolation radiale, une flexion, euh, une, une, une souplesse en flexion. Aucun matériau ne répond à tous ces critères en même temps, donc ça veut dire que je vais décomposer les critères. Donc les bons conducteurs seront des métaux. Malheureusement, ils ont un module élevé. Ils ont une, en conséquence de quoi Ils ont naturellement. Une résistance en flexion qui est élevée, à moins que ça soit suffisamment mince, c'est-à-dire que je joue sur la géométrie, d'où l'idée de faire un câble et pas une barre. Alors, une fois qu'on a décomposé les requêtes, eh bien, on va chercher des solutions optimales pour chacune des fonctions. Alors, vous voyez bien que c'est quelque chose qui ne donnera pas forcément l'optimum optimorum, mais c'est quelque chose qui nous permet d'explorer des solutions intéressantes. Donc, pour la conductivité électrique et la flexibilité euh, la, flexibilité, euh, la flexibilité du câble, eh bien je vais prendre du cuivre. Pour regarder la conductivité longitudinale, l'isolation et la flexibilité élastique, je peux, je peux prendre un polymère. Donc ça, c'est ce qui sera le, le, la, couverture du, la couverture du câble, du câble électrique qu'on avait ici, dont j'ai parlé dans la leçon inaugurale. Et puis, une fois qu'on a fait ça, évidemment, il faut remarier tout ça ensemble. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas simplement y voir des matériaux, on va avoir des géométries. Et on va aussi se poser la question de l'ingénierie interfa des interfaces. Par exemple, il faut que l'isolation radiale avec un polymère qu'on met sur le câble, eh bien, qu'il y ait une bonne adhésion entre le polymère et le câble. Alors, ça, dans ce cas-là, ce n'est pas trop difficile à réaliser. C'est un problème majeur dans le pneumatique d'avoir une bonne adhésion entre l'élastomère dont on fait le pneu et la carcasse radiale qui donne la rigidité à l'ensemble. Et pour faire ça, on est obligé de mobiliser toute la physico-chimie des interfaces, par exemple de faire un revêtement laitonné sur un câble d'acier perlithique qui est à la fois flexible, très rigide en traction, qu'on peut tisser et qui a une bonne adhésion avec l'élastomère qu'il y a autour. Donc ce qu'on a fabriqué ici, c'est une solution hybride, une solution multimatériaux. Cette solution hybride, cette solution multimatériaux, évidemment, il va falloir se poser la question de savoir est-ce que je peux la fabriquer, est-ce que je peux la fabriquer à, coup, à, coup, à un coût acceptable. Donc c'est un peu toute la, la ligne directrice d'analyse qu'on va avoir dans les exemples qu'on va traiter. Alors quelles sont les stratégies possibles pour remplir les trous de l'espace des matériaux on, peut, on essaye de réduire des, des contradictions et on va essayer soit de jouer sur les microstructures des matériaux, soit sur l'architecture des matériaux soit sur les combinaisons de matériaux. Donc je vais essentiellement me focaliser sur la deuxième partie. Alors, ce diagramme-là, vous l'avez vu dans le premier cours, dans la leçon inaugurale. La métallurgie et la science des matériaux en général s'est occupée de tout le carré vert. Regardez ce qui se passe en dessous du micron pour optimiser la microstructure. La mécanique des matériaux... C'est plutôt occupé de ce qui se passait dans le carré rouge, c'est-à-dire de jouer sur les géométries. Et ce qu'on va essayer de faire tout au long de ce cours, c'est de se donner les moyens d'explorer l'étape intermédiaire, c'est-à-dire entre quelques microns et quelques centimètres, soit en faisant des gradients de microstructure sur des échelles de variation qui sont de l'ordre de grandeur des échelles du composant, soit en faisant des combinaisons de matériaux et des combinaisons d'architecture qui nous permettront de remplir les différentes fonctions. Alors. Ça, c'est pour repositionner l'ensemble. On va essayer maintenant de regarder dans ce cours, d'abord résoudre les contradictions, essayer de faire des matériaux à géométrie, euh, à géométrie contrôlée, et ensuite, on va essayer de regarder quelques cas où, véritablement, on passe à une conception multifonctionnelle qui est un peu plus subtile que de dire, je veux que ça conduise l'électricité et que ça soit flexible. Et je vais essayer de vous montrer des cas qui, d'une certaine manière, décortiquent une application industrielle pour regarder comment je peux construire. Un matériau hybride pour cette application industrielle. Et ça m'amènera à quelques conclusions qui sont euh, les limitations et les questions ouvertes. Donc ça, ça terminera le cours de ce matin. Et vous aurez ensuite un séminaire qui sera donné par Olivier Bouaziz, donc, que je vous présenterai tout à l'heure, qui va illustrer ces concepts-là sur des réalisations, euh, des réalisations de matériaux, soit dans des applications. Issus d'un producteur de matériaux, c'est-à-dire les aciéries, soit des applications issues d'un consommateur de matériaux, mais se poser sérieusement la question de savoir quel est le matériau architecturé que je dois faire, et comment je dois le faire et pourquoi je peux avoir intérêt à le faire parce qu'il va remplir véritablement la fonction que je lui demande. Alors, résoudre des contradictions. On va voir quelques contradictions emblématiques. Alors, je vais d'abord commencer par des contradictions qui sont des contradictions qui sont structurales, qui ne sont pas des contradictions entre une propriété fonctionnelle comme la conductivité et une propriété structurelle comme la résidence mécanique. Une contradiction très simple, c'est de vouloir avoir quelque chose qui est à la fois rigide et léger. Pourquoi c'est une contradiction Parce que quand vous voulez avoir quelque chose de rigide, ce qui importe, c'est la liaison entre les atomes et le nombre de liaisons entre les atomes. Donc ça veut dire que si vous voulez avoir quelque chose de rigide, de rigide il faut beaucoup de liaisons, c'est-à-dire beaucoup d'atomes, et il faut des liaisons fortes. Alors, vous avez des liaisons fortes qui sont les liaisons covalentes, et vous avez des liaisons fortes qui sont la les liaison les liaisons métallique. Alors, le problème de la liaison métallique... L'avantage, quand vous prenez les légion métalliques, c'est que vous avez des chances d'avoir un matériau qui, en plus d'être rigide, lég... rigide, se paye le luxe d'être relativement ductile. Seulement, le problème, c'est que les métaux sont généralement lourds, et que comme vous voulez en avoir une forte densité, eh bien, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui, pour pouvoir être rigide, va nécessairement, très probablement, être lourd. Alors, la réponse du berger à la bergère, dans cette histoire-là, eh le métallurgiste n'a pas grand-chose à dire, sauf à fabriquer des matériaux composites. C'est-à-dire déjà à faire des associations de matériaux. Le mécanicien va vous dire écoutez, vous n'allez pas m'embêter à fabriquer des matériaux composites. Ce que je peux parfaitement faire, c'est assurer la rigidité de la pièce simplement en donnant une forme à la pièce. Donner une forme à la pièce, c'est de dire au lieu de faire une poutre qui est un bête carré, eh bien vous allez faire une poutre en I. Ça, c'est une solution qui est archi connue dans le domaine du bâtiment, avec la même quantité de matière. Vous avez une rigidité en flexion qui est beaucoup plus grande, pour une raison extrêmement simple c'est que vous avez éloigné la matière de la fibre neutre. Donc vous allez avoir, pour la même matière, une rigidité plus grande. Alors vous pouvez le faire avec une poutre en I, une poutre en, en rond, une poutre en carré. Si vous voulez faire ça sur des plaques et pas sur des poutres, vous faites des panneaux. Donc ces panneaux, ça peut être des. Ça peut être des, des euh, vous pouvez faire des structures sandwich avec à peu près tout ce que vous voulez à l'intérieur des structures sandwich. Donc ça c'est la réponse du mécanicien à la question, faites-moi un truc qui est léger et rigide. Alors regardons une, une difficulté qui est euh, une, une question qui est un peu plus difficile, c'est que je veux quelque chose qui soit à la fois euh, à haute limite d'élasticité, c'est-à-dire qui supporte des contraintes importantes avant de se déformer de manière irréversible, mais j'aimerais bien que ce truc-là soit déformable. Et j'aimerais en plus que les défauts dans ce truc-là n'aient pas tendance à se propager de manière brutale, à avoir des fissures critiques. Alors là, il y a une contradiction qui est, qui est très profonde au point de vue physique, c'est qu'est-ce qui fait qu'une fissure se propage ou pas Ce qui fait qu'une fissure se propage, c'est qu'on relâche de l'énergie élastique pour la propager. Ce qui fait qu'elle ne se propage pas, c'est que je dissipe de l'énergie en propageant la fissure. Euh, quand vous regardez la propagation d'une fissure, il se passe que vous créez de la surface, ça, ça vous rapporte de l'énergie, ça vous, ça vous coûte de l'énergie, mais pas tant que ça. Mais si vous faites une déformation plastique du matériau, vous faites une déformation de volume, et cette chose-là coûte énormément d'énergie. Donc c'est quasiment un facteur 10 puissance 3 entre l'énergie produite par dissipation plastique et l'énergie produite par création d'une fissure. Donc vous êtes dans une situation où intrinsèquement, si vous limitez la capacité à, euh, si vous la capacité à déformer plastiquement un matériau, eh bien vous allez avoir naturellement un matériau qui va devenir fragile. Évidemment, on n'aime pas trop. Ça, c'est un diagramme qui est ce que j'appelle le cauchemar des ingénieurs. Alors ça, c'est uniquement pour les aciers, mais c'est vraiment, c'est la banane celui-là, mais c'est la banane qui fait pas rire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'élongation, de l'autre côté la limite d'élasticité. Vous apercevez évidemment que si vous prenez des aciers Martin City, qui a une limite d'élasticité très élevée une élongation faible, et si vous prenez des aciers IF, qui est la version euh, savante de, du fer pur, quasiment, euh, eh bien, vous avez des matériaux qui sont très facilement déformables mais qui ont des propriétés de résistance, euh, de résistance mécanique qui sont très faibles. Et puis, évidemment, vous avez cette anticorrelation et toute l'astuce du développement de nouveaux alliages, c'est de sortir de cette anticorrelation. Donc vous avez euh, les aciers dual-phase, les aciers triples, bon, il y en a d'autres qui ont été développés, les aciers avancés dans l'automobile essayent de sortir de cette contradiction. Alors, une manière de sortir de cette contradiction, c'est d'utiliser des idées qui viennent et des concepts qui viennent de l'échelle supérieure. Alors, c'est un, un premier exemple de matériaux architecturés dont je voudrais vous parler, c'est l'exemple le des matériaux. Autobloquant. Donc j'ai esquissé cet exemple-là dans la leçon inaugurale. Vous avez en haut des cubes qui sont empilés de telle manière que chaque cube est empêché par ses trois voisins de monter vers le haut et est empêché par ses trois autres voisins de descendre vers le bas. Donc vous êtes dans une situation où vous avez une géométrie que vous empêchez, que vous maintenez par les côtés et cette géométrie, quand vous essayez de la solliciter en flexion, vous allez avoir quelque chose qui va avoir une rigidité qui est essentiellement liée au frottement entre les différents blocs et la rigidité des blocs. Évidemment, vous sentez aussi que cette rigidité va dépendre de la manière dont vous maintenez l'ensemble de vos cubes. Si vous ne le maintenez pas du tout sur les côtés, évidemment, le truc y tombe en, en pièces. Donc voilà un exemple de, de, de matériau qui est autobloquant. Euh, vous avez un autre exemple qui a une géométrie un petit peu plus sophistiquée. C'est une géométrie en osselet. C'est l'équivalent à trois dimensions des pavés autobloquants que vous avez devant vos garages, euh, où au lieu d'avoir un, euh, un pavé autobloquant, c'est deux espèces de, de formes qui glissent l'une par rapport à l'autre avec beaucoup de difficultés. Eh là, on empêche le glissement dans cette direction-là, et puis on a fait une forme dans l'autre direction qui empêche le glissement perpendiculaire. Donc vous faites une structure en osselet, et de la même manière, cette structure en osselet, vous l'imposez de l'extérieur. Évidemment, cette chose-là, on a envie de le tester et on n'a pas envie de le tester avec des matériaux qui seraient trop difficiles à mettre en œuvre. Donc, l'exemple que vous avez en dessous, c'est des essais qui ont été faits sur de la glace. C'est-à-dire, on a fait le matériau autobloquant comme on fait des cubes de glace pour les verres de whisky. Ça a l'avantage de ne pas être cher, cette chose-là, vous pouvez en fabriquer beaucoup. Puis, ces blocs de glace, vous les mettez les uns à côté des autres et vous voyez la différence entre une plaque monolithique qui est formé de la même quantité d'eau, ou plutôt de la même quantité de glace, une plaque autobloquante, une structure autobloquante, c'est-à-dire fragmentée sous forme de ces euh, de ces pavés euh, de ces pavés autobloquants, et mais fragmentée en la maintenant faiblement sur les côtés, ou fragmentée en la maintenant fortement sur les côtés. Donc vous voyez que vous avez d'une certaine manière un matériau que vous pouvez essayer de d'adapter de, à la requête que vous voulez avoir. Donc ça c'est une contrainte et une flèche, c'est une sollicitation en flexion. Alors évidemment, chose qui est assez intuitive, si vous avez une pré-contrainte forte, vous sentez bien que l'ensemble va être rigide. Si vous avez une pré-contrainte faible, l'ensemble va être très souple. Alors, ce n'est pas inintéressant dans ce sens que vous avez une boucle d'hystérésis qui apparaît. Cette boucle d'hystérésis signifie que vous êtes en train de dissiper de l'énergie. Vous dissipez de l'énergie tout simplement parce que vous avez du frottement. Alors là, il y a une astuce, c'est que si vous avez. Un frottement trop fort, vous n'arrivez pas à faire glisser les blocs, donc vous n'allez pas dissiper d'énergie. Si vous avez un frottement trop faible, les blocs vont pouvoir dissiper, vont pouvoir glisser beaucoup les uns par rapport aux autres, mais la force de frottement entre les blocs, c'est faible, donc vous n'aurez pas de dissipation d'énergie non plus. Donc vous sentez que la dissipation d'énergie, c'est quelque chose qui va passer par un optimum suivant le coefficient de frottement qu'on va avoir avec les blocs et suivant la force qu'on met sur les côtés. Et là, vous voyez tout de suite la complexité du problème. C'est-à-dire, vous avez énormément de variables libres dans cette histoire-là. Vous avez le matériau constitutif des blocs, la géométrie des blocs, les coefficients de frottement entre les blocs. Et tout ça, vous voulez pouvoir l'utiliser de façon à pouvoir regarder euh, des combinaisons, par exemple, entre la, la rigidité de la structure et sa capacité à absorber des vibrations. C'est un exemple. Euh, alors, je vous ai introduit cette idée-là en vous disant, que je veux à la fois quelque chose qui soit... Relativement rigide et solide et qui soit sensible, qui ne soit pas trop sensible à la propagation des fissures. Là, ce qu'on a fait, c'est la stratégie de gribouille, c'est-à-dire qu'on a, a préfragmenté la structure, ce qui fait qu'il peut fort bien qu'un des blocs fragmente sans que la fissure qu'on a créée dans ce bloc se propage sur l'ensemble des blocs. Donc, on a d'une certaine manière créé par préfragmentation une tolérance au dommage. Quand j'ai un bloc qui est plus petit, il y a moins de chances. D'avoir des fissures à l'intérieur, et même si j'ai une fissure à l'intérieur, cette fissure ne va pas se propager sur toute la, la, la largeur de la plaque, donc je vais pouvoir avoir un matériau qui est beaucoup plus tolérant au dommage. Suivant les géométries, vous pouvez avoir des situations où vous pouvez enlever des blocs sans pour autant perdre la rigidité de l'ensemble. Suivant d'autres géométries, quand vous enlevez un bloc, le tout s'effondre. Alors, Ceci pour vous dire. Donc voilà un exemple. Ça c'est un petit peu plus, euh, c'est un matériau un petit peu plus respectable que les cubes de glace pour, faire, pour mettre dans le whisky. C'est un, un, un polymère. Vous voyez la différence de comportement avec une indentation. Vous avez la même quantité de matière euh, en plaque monolithique ou en plaque préfragmentée. Bien vous arrivez parfaitement à déformer en flexion la plaque préfragmentée, alors que la plaque monolithique, euh, elle casse tout de suite. Alors. Il y a tout un ensemble de géométries qui sont possibles. Il y a eu des très jolis travaux de mathématiciens pour se poser la question de savoir quelles sont les formes des blocs élémentaires qui peuvent conduire à des formes autobloquantes. Alors, une chose qui, adore, qui, qui fait plaisir aux mystiques, si j'ose dire, euh, c'est que tous les solides platoniciens peuvent être arrangés de façon à pouvoir être autobloquants. Alors, euh, il y a une loi qui, qui n'est pas mystique, celle-ci, c'est que plus la géométrie de chaque bloc est simple, plus c'est difficile de trouver la manière de les empiler. Donc les blocs, euh, les osselets ont une forme géométrique difficile, mais on arrive très bien à les positionner les uns par rapport aux autres. Les blocs, les cubes, c'est une forme très simple, mais il faut juste bien trouver la manière de les, de les mettre ensemble. Ça a des tas de conséquences aussi en termes de réparabilité d'une structure. Quand on veut vraiment se poser la question de savoir, je veux fabriquer quelque chose, il faut aussi se poser la question de savoir comment je veux le réparer. Alors une des caractéristiques des structures autobloquantes, c'est que ce n'est pas facile de les enlever, les pièces cassées. Justement parce qu'elles sont autobloquantes. Donc ça veut dire qu'il faut mettre au point des techniques pour pouvoir remplacer des blocs qui auraient été fragmentés. Donc là, vous avez une, un arrangement géométrique, vous pouvez vous en convaincre, ça je vous, je vous laisse la, le soin d'attraper des mots de tête là-dessus, c'est un empilement de tétraèdres qui est autobloquant. Quand vous regardez ça, ben, chaque tétraèdre ne peut pas bouger parce qu'il est coincé par ses voisins. Si on regarde, donc là vous avez les blocs ostéomorphes. Alors, maintenant, les blocs ostéomores, vous sentez que vous avez tout un tas de manières de les faire. Là, je les ai dessinés joliment comme des osselets, mais on peut parfaitement faire des surfaces réglées, et ça, c'est un domaine qui est complètement inexploré, de savoir quelle doit être la forme optimale d'une surface pour pouvoir avoir à la fois la bonne rigidité et le bon coefficient de frottement. Ça, c'est des, des questions ouvertes, je dirais. Alors, on peut évidemment faire ça avec des structures qui sont un petit peu plus tordues. Là, vous avez une structure qui est assez jolie, qui est fabriquée avec des tubes. Vous pincez le tube à un endroit et vous le pincez perpendiculairement de l'autre côté, vous avez une structure qui va être elle-même autobloquante. C'est-à-dire que quand vous essayez de tirer un tube, eh bien, il est bloqué par ses deux voisins. Alors, ce n'est pas pour le plaisir de faire des jolis dessins, mais vous imaginez très bien que ça, ça peut être une structure très intéressante du point de vue des propriétés acoustiques. Parce que vous allez avoir le gaz qui va passer à l'intérieur des tubes, qui va pouvoir, se, se, qui va pouvoir dissiper l'énergie de l'onde acoustique, soit en faisant vibrer les tubes eux-mêmes, soit par les difficultés de... De d'écoulement du fluide entre les tubes. Alors, maintenant, une fois que je vous ai dit ça, vous allez me dire, on peut commencer une collection de papillons de tous les matériaux autobloquants, de toutes les structures autobloquantes, on n'est pas sorti. Et c'est vrai qu'on n'est pas sorti, et c'est pour ça que, parce qu'on a des paramètres pertinents qui sont variés, comme la forme, les propriétés des matériaux, le choix des matériaux, les coefficients de frottement, -fran, la, 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 la taille de chaque bloc, eh bien, à cause de ça, on est obligé d'avoir un outil qui nous permet d'explorer a priori, quelles sont les potentialités de ces classes de matériaux. Alors, on va essayer de développer un outil de modélisation qui permet de guider le développement des matériaux, qui permet de réfléchir à comment on peut les mettre à l'intérieur de structures, cette fois-ci. Alors, la stratégie de modélisation qu'on a adoptée pour regarder ce problème-là, on l'a fait sur deux cas de figure, le cas des blocs, euh, des blocs cubiques et le cas des blocs euh, ostéomorphes. Euh, sachant que pour l'instant, ce qu'on n'a pas fait, qui à mon avis est un problème ouvert intéressant, c'est de se dire est-ce que je peux renverser cette méthode-là pour essayer de trouver les surfaces optimales, de trouver les formes optimales Ce que je vais vous montrer, c'est un certain nombre de règles qui ont l'air d'être assez, assez robustes, euh, par deux cas d'empilement, de, de cas euh, règles assez robustes sur les effets des coefficients de friction, les effets des modules d'élasticité. De, euh, la manière dont la modélisation a été faite, eh bien vous pouvez le faire soit de manière assez brutale, c'est-à-dire de dire je fais un code d'éléments finis, je maille tout, je comprime et je regarde ce que ça donne. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez vous dire je veux pouvoir garder un peu plus de subtilité dans l'analyse, c'est-à-dire de pouvoir enlever des blocs de temps en temps. Eh bien là, l'idée, c'est de faire le calcul en deux étapes. De faire une étape qui est de calculer les interactions entre blocs. Ça, c'est un calcul d'éléments finis qui va vous permettre de faire ça. Donc, une simulation par éléments finis où vous allez avoir une interface glissante, ce qui est quand même pas tout à fait trivial. Enfin, vous le faites juste sur deux blocs et vous allez dire, compte tenu de la position des blocs vis-à-vis -vis de leur distance entre leur centre de gravité et des positions des trièdres représentatifs de chaque bloc, vous allez pouvoir calculer quelle est la force d'interaction entre les différents blocs. Et puis, ces forces d'interaction entre les différents blocs, vous allez mettre ça dans un code d'éléments discrets. Qui est l'équivalent macroscopique de ce que serait un code de dynamique moléculaire. Vous allez résoudre les équations de Newton, si vous voulez, et vous allez regarder comment se comporte un grand nombre de blocs dont les lois d'interaction ont été calculées séparément par les calculs d'éléments finis que vous avez vus en bas. Alors, voilà le euh, bloc cubique, pour vous montrer un peu comment ça marche. Déjà pour vous convaincre que ça bloque bien, effectivement, vous voyez le bloc central. Avec les blocs type 1 et les blocs type 2, vous voyez que les blocs type 1 empêchent le bloc central de descendre et les blocs type 2 empêchent le bloc central de monter. Donc évidemment, il est coincé. Alors, si vous regardez la courbe qui met l'effort en fonction de la profondeur d'indentation, cette courbe passe par un maximum, c'est une courbe parabolique, elle passe par un maximum, mais au-delà d'une certain, certaine profondeur d'indentation, on a une perforation du système. Vous avez votre cube qui est passé de l'autre côté. Euh, alors maintenant, une chose qui est intéressante, vous pouvez vous amuser à faire varier le coefficient de friction, et vous arrivez à quelque chose qui est un, euh, un phénomène qui finalement est assez intuitif, c'est quand vous allez augmenter le coefficient de friction. À la limite, si vous aviez un coefficient de friction infini, mais vous retomberiez sur la rigidité de la plaque monolithique. C'est exactement ce que vous voyez ici l'effort de l'indenteur en fonction de la profondeur d'indentation. La courbe pointillée, c'est la plaque monolithique. Et le les, les différentes courbes ici, avec les différentes couleurs, correspondent à des coefficients de friction croissants. Alors une chose qu'on a constatée, qu'on n'a pas expliquée, qui est à mon avis un, un problème intéressant à explorer, puisque je suis en train de vous faire quelque chose, un cours sur la science qui se fait, c'est de se dire euh, la transition entre la courbe qui monte puis descend et la courbe qui se contente de remonter jusqu'en haut apparaît à un coefficient de friction critique. Alors maintenant, comment ce truc-là, d'où vient ce coefficient de friction critique, d'où vient cette transition, comment elle se passe, est une question qui n'a pas été explorée systématiquement parce que ce n'est pas ça qu'on avait à faire en priorité. Mais c'est une question qui mérite d'être visitée. Alors regardons l'influence d'une précontrainte. Alors, même chose, ce que vous avez envie de faire, c'est comparer ça quand même à des résultats expérimentaux. Donc là, l'exemple qu'il y a ici, c'était dans la thèse de Charles Brugger, c'est des exemples qui sont liés à des, coefficients, à des cubes. Qui était fabriqué, encore une fois, dans un matériau plus respectable que la glace. La raison, c'est que les essais sur la glace, on est obligé de les faire dans, une, dans un laboratoire qui est à moins 30. Euh, donc, il y a un certain nombre de thésards qui fatiguent à ce moment-là. Euh, donc, en fait, on, on se dit, on va essayer de trouver un truc pas cher qui est moins, qui est moins froid. Donc, le truc pas cher moins froid, c'est le plâtre. On peut faire des tas de géométrie en plâtre assez, assez facilement. Alors, les espèces de décharges, là, c'était pour regarder au fur et à mesure si on avait une modification de la rigidité de la, de la, rigidité de la structure. Ce que je veux simplement vous montrer, c'est que vous avez une, euh, une, une courbe qui effectivement correspond à la courbe parabolique dont je vous parlais tout à l'heure, grosso modo. Ça monte et ça descend. Euh, et que plus la précontrainte est forte, plus la courbe est calée sur la gauche. Donc ça, c'est ce que vous avez. Euh, ça, c'est les résultats expérimentaux que vous avez à gauche. Alors vous voyez aussi que quand vous faites une décharge, vous avez un matériau qui est capable d'absorber une énergie vibratoire, justement à cause de ces frottements. Alors, si vous regardez à droite, j'ai fait quelque chose qui est, un petit peu, euh, qui est un petit peu pervers. On va le regarder après. Pardon. Euh, non, on va le regarder tout à l'heure. Alors là, ce que j'ai essayé de regarder, c'est quelle est l'influence de la taille des blocs. Donc, euh, on prend la même taille de l'ensemble mais on prend des blocs qui sont plus petits. Donc quand on prend des blocs qui sont plus petits, évidemment, il y a plus de possibilités pour faire glisser les blocs les uns par rapport aux autres, donc on se retrouve avec une structure qui est naturellement plus souple. Euh, évidemment, c'est ce qu'on trouve par la simulation, ça c'est quand même heureux. Si on regarde la décharge du système, il y a un phénomène qui est tout à fait amusant, euh, et ce phénomène est lié à... Euh, donc vous avez ici l'indentation en fonction de la profondeur d'indentation. Et vous avez une décharge, et à partir d'une tentation qui, a eu assez, qui est allé, allé assez loin, eh bien vous avez une décharge qui vous permet d'avoir un coefficient de friction, qui de, un coefficient de décharge qui n'a pas le bon signe. Quoi. Vous êtes en train d'avoir l'équivalent d'un module négatif. C'est un phénomène assez amusant que vous retrouvez aussi, effectivement, quand vous faites le, le, la simulation numérique. Et ça, c'est essentiellement quelque chose qui est lié d'une transition contact plan-plan à un contact plan-arête. Alors, ce que je vais simplement vous montrer maintenant, c'est que si vous, faites, euh, une, euh, si vous faites votre calcul d'éléments discrets pour tout un ensemble de coefficients de frottement, par exemple, ou pour tout un ensemble de tailles, ou pour tout un ensemble de, de modules, et eh bien si vous normalisez la force par la force maximale, et si vous normalisez la profondeur d'indentation par la profondeur d'indentation de perforation, vous trouvez que toutes vos courbes tombent sur une courbe maîtresse. Alors ça, c'est très intéressant du point de vue de la conception. C'est-à-dire ce, ce que je suis en train de vous dire. Alors cette courbe maîtresse, c'est la courbe en pointillé ici. Vous voyez, cette courbe rouge, c'est la courbe calculée. Et la courbe bleue, c'est la courbe expérimentale avec méta de plâtre. Donc ça veut dire qu'expérimentalement, on a effectivement cette courbe maîtresse. Chose qui est intéressante, ça veut dire que pour l'infini variété des matériaux que vous avez eu ici, vous avez deux paramètres qui permettent de caractériser leur comportement, qui est la valeur maximale de la courbe d'indentation et la valeur maximale de la perforation. Donc il nous reste, si je veux essayer d'avoir un guide à la conception, de dire eh bien, comment cette valeur maximale de, du paramètre du, de, la, de la perforation, cette valeur maximale du paramètre de, de la force, eh bien, comment ça, ça varie en fonction des, des différents paramètres auxquels j'ai accès pour concevoir mes matériaux. Donc vous avez ici l'effet le du coefficient de friction, l'effet de la précontrainte et l'effet de la taille, sur la force maximale et la profondeur d'indentation à perforation. Donc, là, d'une certaine manière, vous avez maintenant deux paramètres dont vous examinez la variabilité vis-à-vis -vis des différents paramètres de design, et ça, ça vous donne un guide d'analyse de, de votre problème. Alors, je vais terminer cet exemple des matériaux architecturés en vous disant qu'on croyait avoir été particulièrement futé en inventant ça et qu'on s'est aperçu après qu'en fait, les tortues l'avaient fait avant nous, ce qui est très agaçant, parce qu'on voyait une tortue, le regard profond d'une tortue, quand on la regarde au fond des yeux, ce n'est pas particulièrement édifiant. Et en fait, les carapaces des tortues euh, ont une structure autobloquante. C'est-à-dire, vous avez des hexagones, les grosses tortues, évidemment, elles ont du mal à respirer, c'est lourd, hein. donc il faut que la carapace soit flexible, mais quand quelqu'un a envie de faire de la soupe à la tortue, il faut évidemment que quand on tape sur la carapace, elle devienne rigide. Donc en fait, une bonne solution pour faire ça, c'est de faire... Une structure, où vous avez des. La carapace est formée d'hexagones, les hexagones sont formés de doigtages. Les doigtages en question sont des doigtages tridimensionnels. Ce que vous avez ici, c'est la forme du doigt entre les hexagones de la tortue, observée par l'équipe de, de Peter Fazol à, à, à l'ESRF, à Grenoble. Alors, la tortue est beaucoup plus futée que nous, parce que ce qu'elle fait dans cette structure-là, c'est qu'en plus d'avoir une structure autobloquante, elle s'est même payée le luxe d'avoir entre les doigts de la tortue, d'avoir les doigts de, de la carapace. Elle a, elle a installé là précisément un polymère qui a une, une capacité de déformation qui fait que quand on déforme lentement, le polymère est souple et quand on le déforme brutalement, le polymère est rigide. Donc, quand la tortue a besoin de respirer, elle y arrive parfaitement bien, parce qu'il n'y va pas comme une brute. Et quand il y a quelqu'un qui a envie de faire de la soupe à la tortue, bah, tous les blocs sont bloqués les uns par rapport aux autres à cause de la rigidification du polymère. Alors, évidemment, quand vous voyez ça, ça vous donne des idées. Vous vous dites, après tout, pourquoi je ne ferais pas des autobloquants bimatériaux Pourquoi je ne m'amuserais pas à remplacer certains des matériaux par un matériau qui aurait essentiellement une fonction dissipative Donc, ça, c'est des études qui sont actuellement en cours. Alors. Là, ben, on est dans un cas de figure qui est le cas extrême. C'est un matériau architecturé que je qualifierais de militaire. C'est le matériau architecturé où, en gros, je ne veux voir qu'une seule tête, tout le monde est bien empilé, euh, tous les éléments sont parfaitement identiques. Là, j'ai regardé l'autre extrême, c'est le matériau architecturé bidulique, c'est-à-dire le matériau architecturé où on a essentiellement pas d'ordre, euh, ou du moins pas d'ordre systématique. Alors ça, c'était une thèse qui s'est faite d'ailleurs avec ArcelorMittal, euh, avec Olivier boisi, c'est la thèse de de Jean-Philippe Mas, consistant à regarder des laines d'acier, les laines d'acier étant obtenues par une manière un peu brutale, consistant à prendre un barreau d'acier, alors c'est des laines d'acier inoxydables, hein, vous prenez un barreau d'acier et vous grattez le barreau d'acier avec des, avec, des, avec des griffes. Et ce que vous obtenez à partir de là, c'est des copeaux qui sont sortis du barreau d'acier, vous compactez tout ça et vous vous trouvez avec bah, le scotch brite ou les, les, les pailles de fer avec lesquelles vous, fait, vous polissez les, les parquets. Alors, ce matériau-là est assez intéressant, en ce sens que là, vous avez un degré de liberté qui est de savoir est-ce que ces fibres, je vais les laisser glisser ou pas les unes par rapport aux autres. On sent bien l'intérêt de la chose. Si je les laisse toutes glisser les unes par rapport aux autres, je vais avoir un matériau qui va pouvoir amortir beaucoup de vibrations. Si, je, au contraire, ces, ces fibres-là, je les soude les unes par rapport aux autres, je vais avoir un matériau qui va être rigide. Évidemment, je peux m'amuser à avoir un paramètre, un, un potard, où j'essaye de les souder tout ensemble ou pas les souder tout ensemble. Ça, une manière de faire ça, c'est ce qu'on appelle le frittage de ces matériaux. On va essayer de leur faire un traitement thermique. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne sais pas si, si Olivier en parlera. Mais on va faire un traitement thermique où le, le nombre de poutres qui sont euh, soudées bah, va dépendre de la durée du traitement, du fait que j'appuie ou pas sur ma laine de fer quand je fais le traitement, etc. Donc, je peux avoir des contacts qui sont complètement libres ou des contacts qui sont complètement soudés. Alors, le résultat de ça, c'est qu'on peut faire euh, des courbes contraintes de déformation. Donc, une déformation, dans ce cas-là, c'est euh, une densité autant qu'une qu déformation. C'est-à-dire que vous êtes en train d'appuyer sur votre, sur votre éponge, vous êtes en train de modifier la densité du matériau, vous êtes en train de rapprocher les fibres les unes des autres. Alors, c'est un, une situation, c'est assez sympathique, c'est un, un, un problème où, grosso modo, la bibliographie doit se limiter à 4 ou 5 articles, dont un dans, dont un dans une revue de, de Tonde des Moutons en Écosse, ou quelque chose comme ça. Euh, on, on peut montrer, ça c'est le modèle de Toll, que la rigidité, eh bien, évidemment on est dans un problème où on a quand même essentiellement un comportement élastique des, poutres, des, des filaments, et la rigidité eh bien, est proportionnelle à la contrainte naturelle du système, c'est-à-dire au module. De, au module de la fibre, au module du matériau constitutif, et varie comme une puissance de la densité. Donc vous avez ici la loi qu'on appelle la loi de Toll, qui est une loi semi-empirique, et puis vous avez en dessous, bah, effectivement, on a toute une gamme où on a effectivement une loi de puissance entre les deux. Alors, la puissance en question varie en fonction du fait qu'on ait ou qu'on n'ait pas euh, plus ou moins euh, rigidifié les, les structures entre les poutres. Alors, je voudrais revenir ici à une situation intuitive qui est de faire un parallèle entre ces matériaux fibreux, euh, ces matériaux fibreux enchevêtrés et une autre classe de matériaux qui est la classe des matériaux mousses, des mousses rigides. Si vous regardez les mousses rigides, les mousses rigides ouvertes, c'est essentiellement des barreaux, des barreaux qui, eux, sont parfaitement soudés les uns aux autres, euh, ce qui fait qu'on peut comprendre, on peut modéliser le comportement élastique des mousses rigides en euh, considérant que c'est un ensemble de poutres qui ont une rigidité à la flexion qui dépend de la distance entre les poutres, du matériau constitutif, de la taille des poutres. Comme ça, ça c'est ce qu'on appelle les lois d'H.B. Gibson, qui vous permettent de donner une loi, euh, loi d'échelle entre la densité du matériau constitutif et la, et la rigidité du matériau constitutif et la limite d'élasticité ou la rigidité de la mousse elle-même. Alors là vous êtes dans une situation qui est un petit peu plus subtile, vous êtes en train de comprimer un, un matériau enchevêtré. Donc vous êtes en train d'avoir des poutres qui sont en flexion mais dont la distance de entre les points de contact va évoluer au fur et à mesure que vous le comprimez. Donc vous sentez que ce que vous avez ici, c'est un matériau cellulaire, mais un matériau cellulaire dont la taille des cellules est en train d'évoluer au fur et à mesure que vous êtes en train de le comprimer. Alors c'est sur cette idée-là, pas exactement exprimée comme ça, mais c'est sur cette idée-là qu'on peut rationaliser la loi de Toll dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on peut, pour rationaliser la loi de Toll, regarder le nombre de contacts qu'il y a entre fibres au fur et à mesure qu'on compacte la fibre. Donc là, vous avez ici une expérience qui est faite à Grenoble, au rayonnement synchrotron, où on mesure le nombre de contacts en fibre par une tomographie X, la même que vous utilisez en... En recherche médicale, hein, une tomographie X euh, que vous faites in situ, vous êtes en train de comprimer euh, la structure. Alors c'est pas tout à fait trivial non plus parce que pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir regarder sur tout, sous tous les angles le matériau que vous êtes en train de comprimer, et ça veut dire qu'il faut vous débrouiller pour avoir un dispositif qui nulle part ne fait écran aux rayons X. Donc vous avez un truc qui est assez, qui est, tiens, bon. vous avez un truc qui est assez, assez simple, mais c'est l'œuf de il Suffisait d'y penser. Vous avez un, un, un cylindre en polymère et vous êtes en train d'utiliser le cylindre en polymère comme support pour la machine de compression. Alors, maintenant, regardons un peu la manière dont on peut relier ces microstructures, c'est-à-dire ce qu'on vient de mesurer, le nombre de contacts par unité de volume en fonction des états de densité, à la propriété mécanique qui est la contrainte pour une densité donnée, la contrainte d'écoulement pour une densité donnée. Alors, si vous regardez un contact purement géométrique, vous vous attendriez, suivant qu'on est avec une orientation qui est complètement 3D des fibres ou d'une orientation qui serait plutôt 2D, vous pouvez prédire que le coefficient, l'exposant, devrait être de 3 ou de 5 dans cette loi-là. Alors, il se trouve qu'expérimentalement, on ne trouve pas un coefficient de 3 ou de 5. Par contre, ce, que vous, ce dont vous pouvez vous convaincre, c'est avec la logique que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de contacts par unité de volume, vous donne essentiellement la distance des poutres. La taille des poutres et la distance des poutres vous donnent la rigidité de chaque poutre. Une fois que vous avez ça, vous avez essentiellement ce qu'il vous faut pour relier le, la contrainte de d'écoulement en fonction de la densité, à condition de connaître le nombre de contacts en fonction de la densité. Donc le nombre de contacts en fonction de la densité, c'est ce que vous voyez expérimentalement dans l'expérience que je vous ai montrée tout à l'heure. Et ce qu'on constate, c'est que ce nombre de contacts varie comme une puissance de la densité. Cette puissance n'est pas la puissance de... Qu'on qu aurait simplement par un contact géométrique. La raison pour laquelle c'est cette puissance 2, j'en ai pas la moindre idée. Mais de fait, cette puissance n'est pas celle qu'on prévoirait dans les cas idéalisés de complètement 3D ou de complètement 2D. Alors, par contre, vous avez une relation entre le n et le bêta que vous observez ici. Et cette relation, elle, est vérifiée expérimentalement. Donc ça vous montre l'endroit le, où ça fait mal, l'endroit où le bas blesse, c'est d'avoir une description du nombre de contacts en fonction de la densité, sachant qu'on est dans une géométrie qui n'est pas réductible à une géométrie 2D ou une géométrie 3D. Alors, donc voilà un cas de figure. On a vu deux exemples. On a vu un exemple de matériaux architecturés complètement réguliers. On a vu un exemple de matériaux architecturés irréguliers. Maintenant, je vais essayer de vous donner quelques exemples de matériaux. Architecturé explicitement multifonctionnel. C'est-à-dire, là, cette fois-ci, on va faire l'exercice dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire, on va partir d'un cahier des charges, d'une requête, et puis on va voir comment on peut construire un matériau qui n'existe pas. Alors, trois exemples. Un premier exemple qui a été développé en liaison avec l'ONERA, qui était de développer un matériau architecturé pour l'absorption acoustique. Après, je vous donnerai un deuxième exemple qui est de développer un matériau architecturé pour un brûleur radiant, et puis un troisième exemple qui est un matériau architecturé pour les, les, euh, pour les réservoirs de la fusée ariane. Euh, donc ces trois exemples-là, je vais essayer de vous montrer, grosso modo, qu'est-ce qu'il y a dans la description qu'on fait. Alors, la réduction du bruit, bah, évidemment, toute personne qui a habité à côté d'un aéroport sait qu'on n'est pas très content du bruit que font les avions. Alors, il y a une manière pour que les avions ne fassent pas de bruit, c'est qu'ils ne décollent pas. Ça, c'est une, une façon. Mais euh, il y a une deuxième manière pour. On pourrait toujours se dire, j'ai des idées géniales, je peux toujours faire un, un, matériau, euh, un matériau qui. Le, après tout, le bruit, c'est jamais qu'une onde de pression. Donc, il suffit d'avoir une onde de pression en opposition de phase, et puis je vais avoir une interférence destructive, et puis tout va aller bien. Ça marche pas mal dans les, dans les, les casques qui annihilent le bruit que vous prenez dans les avions. Euh, maintenant, là, vous êtes avec un moteur qui fonctionne là à un petit peu plus de 1000 degrés. Euh, bon, des, des capteurs piezoélectriques qui vont marcher à cette température là ça ne va pas être tout à fait évident. Et l'intensité du bruit, euh, c'est pire que la CDC. Quoi. Enfin, donc euh, vous allez être dans une situation qui est euh, l'idée d'avoir un contrôle actif du bruit et pas, euh, et pas réaliste vis-à-vis -vis du bruit d'un réacteur d'avion. Alors maintenant, vous pouvez aussi vous dire, le bruit, il suffit qu'il ne sorte pas du réacteur. Donc je euh, mets autour du réacteur... Euh, des blocs de granit des maisons jurassiennes. Alors là, on est revenu à la classe précédente parce que l'avion ne décollera pas. Alors bon, maintenant, on sent bien que ce qu'il faut faire, c'est d'avoir quelque chose dans lequel l'onde pénètre et dans lequel l'écoulement de fluide est dissipé, et dissipe de l'énergie. Donc ça veut dire qu'on a une idée qui est l'idée d'impédance acoustique. Il faut que l'impédance acoustique du matériau dans lequel l'onde va rentrer soit similaire à l'impédance acoustique de l'air à partir duquel l'onde est produite. Donc ça, ça veut dire que vous avez besoin d'un matériau poreux et d'un matériau poreux à porosité ouverte. Voilà. Alors, on va être obligé d'abord, ce truc-là, il va bien falloir le faire en quelque chose, donc on va essayer de choisir le matériau dans lequel on va le faire. Alors, vous n'allez sûrement pas prendre un polymère vu les températures auxquelles fonctionne votre, votre réacteur. Une céramique, bah, vous préférez ne pas avoir un matériau où vous balayez derrière l'avion pour récupérer les morceaux. Donc vous allez prendre un matériau qui doit être euh, suffisamment ductile, mais évidemment il doit fonctionner à relativement haute température. Il doit résister à l'oxydation, à la corrosion, au fluage. Ça, ça va vous conduire à regarder des alliages, plutôt des alliages des catégories aéronautiques à relativement haute température. Donc ça vous amène vers les alliages base nickel ou vers certains aciers. Euh, certains aciers inoxydables si vous voulez avoir la tenue à l'oxydation donc suivant les cas de figure et les endroits du moteur où vont absorber le bruit vous allez trouver tel ou tel alliage qui est bien adapté alors maintenant on a dit un matériau dense ou un matériau poreux on veut un matériau poreux pour que l'onde acoustique passe dedans on veut pas un matériau qui soit on voudrait un matériau qui soit à porosité ouverte pour que l'onde passe et à porosité fermée pour qu'il soit bon mécaniquement D'où l'idée d'avoir un matériau qui a porosité ouverte et fermée, d'où l'empilement de sphères. Alors là, je vais vous montrer ce qui a été fait a été fait sur le matériau idéal à gauche, qui est un empilement de sphères régulier, sachant que le matériau qu'on fabrique, qui est fabriqué par Plansee ici, est un matériau qui est lui un empilement de sphères irrégulier. C cet empilement de, de sphères irrégulier, euh, ce sont donc des sphères creuses. Alors, je vous expliquerai un peu comment on fabrique les sphères creuses tout à l'heure. C'est aussi une question intéressante. Et il va falloir, sur ce matériau-là, étudier ses propriétés élastiques, ses propriétés plastiques, ses propriétés de fatigue, la tenue à l'oxydation de cette chose-là. Et puis, évidemment, les propriétés acoustiques. Donc, je vais me focaliser sur les propriétés acoustiques pour l'instant. Donc, voilà le matériau idéal, le, le matériau réalisé et une bille, enfin deux billes avec la manière dont ces deux matériaux, ces deux billes, sont connectées ensemble. Elles sont connectées par une technique de frittage, c'est-à-dire que vous allez avoir deux billes de métal qui ont été pressées l'une contre l'autre dans une, une température où, les, billes pouvaient, où le, 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 les, les espèces pouvaient diffuser. Donc ça, ça vous a formé un col, et ce col vous donne la tenue mécanique entre les deux billes. Alors, on va essayer donc de modéliser l'acoustique et la mécanique, d'optimiser la géométrie et les dimensions, et puis de regarder quel est le procédé. Alors, l'acoustique. Ce qu'on peut faire, on peut faire un modèle phénoménologique. C'est-à-dire, ça, c'est des modèles qui s'appellent les modèles de bio l'art. C'est des modèles où vous, êtes, vous utilisez des euh, propriétés, des propriétés du poreux, qui sont ces propriétés de porosité, de tortuosité. Et puis, vous pouvez comme ça calculer les propriétés acoustiques en termes d'absorption pour une fréquence donnée. Donc, ça, c'est une approche phénoménologique que vous pouvez coupler à une approche euh, déterministe, mais uniquement dans un cas qui est régulier. L'approche déterministe, c'est d'utiliser des techniques qu'on appelle des techniques d'homogénéisation, qui reviennent essentiellement à résoudre l'équation de Navier-Stokes dans une structure régulière, dans une cellule. Et c'est cette résolution de l'équation de Navier-Stokes qui va nous permettre de voir que, en fait, la modélisation. Euh, la modélisation euh, euh, phénoménologique qui décrit bien les propriétés, les observations expérimentales, a aussi un fondement au point de vue fondamental, elle a un fondement qui peut se relier directement à la géométrie du matériau, euh, du matériau poreux, de l'empilement de billes. Alors ce dont on se rend compte, c'est que les propriétés acoustiques sont essentiellement une conséquence de la géométrie dans cette histoire, c'est-à-dire que l'absorption, la dissipation est essentiellement un fait du, du gaz qui est en train de s'écouler dans une géométrie donnée. Et le matériau lui-même, le matériau constitutif lui-même, n'a pas d'importance. Ça veut dire que si vous faites le même empilement avec des sphères creuses et des sphères pleines, avec des sphères en nickel ou des sphères en, 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 en acier, eh bien vous avez la même absorption. L'absorption de votre spectre de bruit est essentiellement un problème de mécanique des fluides. Ça ne serait pas forcément le cas dans tous les cas, mais dans les spectres qu'on regarde, les matériaux qu'on qu considère, la dissipation qui est liée aux vibrations de la structure elle-même est une dissipation qui est négligeable. Vous n'avez pas de plastique, essentiellement pas de plasticité dans les gammes de sollicitations qu'on considère. Alors, voilà. La mécanique, ben la mécanique, on va essayer de calculer le module Young, donc même chose, calcul d'éléments finis. Euh, on va essayer de regarder la microplasticité. Là, ce qu'on va faire, c'est on va faire un calcul élastique et dire à quel endroit dans la structure élastique le matériau est en train d'atteindre sa limite d'élasticité. Donc vous êtes en train de dire attention, là je suis en train de solliciter le matériau au-delà du moment où il est déformé de manière réversible. Et ce que je vais simplement faire maintenant... Je m'aperçois que le temps passe. C'est, on va essayer de faire une conception. Alors, cette conception, on va la faire de manière assez simple. On va essayer de faire notre premier exercice en disant quels sont les objectifs. Les objectifs, c'est de maximiser l'absorption, mais pas l'absorption dans le vague, de maximiser l'absorption pour un spectre de bruit donné. Donc pour ça, évidemment, j'ai besoin de l'absorption à une fréquence donnée, c'est-à-dire précisément ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il va falloir que j'intègre l'absorption à une fréquence donnée avec la distribution en fréquence du bruit pour pouvoir avoir une absorption optimale. Puis il va falloir que je fasse ça à masse minimale. Quand même, je veux faire décoller mon avion à un moment ou à un autre. Il va falloir que je fasse ça avec un certain nombre d'astreintes, les astreintes étant des astreintes de résistance mécanique et des astreintes de rigidité. Les variables que j'ai dans cette histoire sont évidemment les variables de conception de la couche autour du moteur. Donc je vais avoir un espèce de cylindre, si vous voulez, qui a une épaisseur donnée, euh, qui va être formé de sphères qui ont un rayon donné. Chaque sphère elle-même a une épaisseur des coques de sphère, une épaisseur des cols de sphère. Et je vais essayer de regarder un optimum sur l'ensemble de ces situations-là. Alors, les degrés de liberté, c'est l'alliage. C'est la géométrie microscopique, c'est la, la structure macroscopique. Les outils de modélisation, c'est l'absorption acoustique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les propriétés mécaniques en fonction de la géométrie et du matériau constitutif. Vous avez pour un spectre de bruit donné, je vous ai dit que l'absorption est essentiellement liée à la géométrie externe du, matéri, de, du matériau poreux, c'est-à-dire à la forme des canaux que vous avez entre les billes, et bien vous avez pour une épaisseur donnée de couche absorbante, et un rayon donné de chacune des sphères, eh bien vous avez une zone dans laquelle l'absorption pour un spectre donné est optimale. Donc, si vous avez une absorption piquée, eh bien c'est la petite zone rouge. Si vous avez un spectre qui est un spectre blanc, voilà la zone où c'est optimal. Si vous avez un spectre qui est plus compliqué, eh bien vous calculez l'endroit dans l'espace de conception, c'est l'espace épaisseur taille de sphère, qui correspond à, euh, à l'absorption optimale. Alors. L'absorption mécanique, eh bien vous allez regarder la rigidité et la solidité. Et là, ce que vous pouvez montrer, c'est que les paramètres, les combinaisons de propriétés qui vont vous contrôler la rigidité, dans le choix des matériaux, il va falloir qu'on optimise le rapport essentiellement du module divisé par la densité ou le rapport essentiellement d'une certaine puissance de la limite d'élasticité divisée par la densité. Donc là, vous voyez les grilles de lecture qu'on a développé. On a une grille de lecture qui nous dit quelle doit être la géométrie compte tenu du matériau... Euh, du matériau euh, quelle doit être la géométrie compte du spectre qu'on veut absorber. Et là, je viens de vous dire ben, quel doit être le choix de matériaux compte tenu d'une rigidité, une solidité donnée. Alors, la, située, la sélection du matériau constitutif, eh bien, vous allez utiliser, utiliser la démarche que je vous ai présentée dans la leçon inaugurale. Vous commencez par faire une présélection en fonction de la tenue au fluage, de la tenue à l'oxydation et vous allez classer vos matériaux en fonction des deux indices de performance que je viens de vous donner, c'est-à-dire essentiellement un rapport module sur densité et un rapport limite d'élasticité sur densité. Alors avec les puissances qu'il faut. Donc la conclusion sur l'optimisation, c'est l'optimisation acoustique que vous impose la géométrie, l'optimisation mécanique vous impose le choix des matériaux, le choix de l'épaisseur des coques, le choix du rayon entre les, les sphères. Et euh, les astreintes que vous avez en plus, qui sont des astreintes de température de fonctionnement, de, des astreintes d'environnement de, dans lequel ça fonctionne, vous éliminent tout un ensemble de matériaux métalliques. Alors, se pose évidemment la question de savoir comment je le fabrique, ce truc-là. Euh, là, on se rapproche de plus en plus de la fabrication du matériau. Alors, une manière de le fabriquer, c'est de partir de billes de polystyrène de commencer sur les billes de polystyrène à faire une déposition chimique de cuivre après de faire une couverture d'électrodéposition de nickel sur le cuivre le cuivre a l'avantage de vous avoir rendu la chose conductrice Alors, une fois que vous faites ça évidemment vous avez encore, du, vous avez encore un polymère à l'intérieur dedans donc ça n'est pas vraiment ce que vous voulez puisque ça va fonctionner à, quelques, à un petit millier de degrés donc vous n'êtes pas très content donc ce que vous allez faire c'est qu'avant que le nickel cesse d'être complètement poreux eh bien, vous allez passer tout ça au four de façon à griller le polymère et que le gaz qui vient de la grillade du polymère disparaisse avant de faire éclater la coque. Et puis après, vous en remettez une couche qui est d'avoir une couche de nickel porose. Alors ça, quand on le voit comme ça, bon, c'est joli, mais vous imaginez que vous n'allez pas faire ça, à, enfin, on va pas y passer sa vie à faire ça. Il y a une autre solution qui consiste à appliquer des techniques de pâtisserie et euh, d'utiliser ce qu'on appelle du truffage, c'est-à-dire vous allez avoir vos sphères, vous allez les, les frotter dans un mélange qui est un mélange de la poudre d'un alliage, l'avantage c'est que vous pouvez le faire avec un alliage et pas avec du nickel, vous faites une poudre de super alliage et vous êtes en train de frotter les sphères dans cette poudre de super alliage avec un liant et après vous faites le fritage de ce liant, de cette poudre de super alliage. Donc comme ça vous pouvez fabriquer les matériaux dont je viens de vous parler. Alors évidemment, euh, tout ça, ça doit fonctionner à haute température. On continue, les, on continue la démarche. On se dit, ben, si ça doit fonctionner à haute température, eh il va falloir que je développe un traitement de surface qui me permet de recouvrir les sphères, par exemple, avec une, un traitement d'aluminisation qui va me permettre d'avoir une couche protectrice vis-à-vis -vis de l'oxydation. Donc euh, voilà un peu l'ensemble d'une démarche qui consiste à aller depuis un cahier des charges jusqu'à une proposition de construction de matériaux. Alors, what else Comme on dit dans les bons magasins de café, euh, what else bah, Après tout, ce matériau, euh, si je mets ça autour du del d'avion, autour d'un moteur d'avion, bah, il peut lui arriver des trucs désagréables du style rencontrer un oiseau. Euh, vous savez que c'est un des problèmes des moteurs d'avion, c'est que quand vous avez une loi canadienne qui rentre dans un moteur d'avion, ça fait des dégâts, bon, majeurs sur la loi canadienne, mais ça fait aussi des dégâts assez importants sur le moteur d'avion lui-même. Euh, alors évidemment, si elle rentre dans la couche absorbante, ça ne va pas être tellement mieux. Donc une des questions qu'on se pose, c'est de savoir comment cette couche absorbante est capable de se déformer grandement. Et là, ça me permet de vous montrer une autre, un autre aspect de la chose. C'est Tous les calculs que je vous ai montrés tout à l'heure sont des calculs qui permettent de comprendre l'élasticité et la limite d'élasticité. Maintenant, une loi canadienne qui rentre dans un revêtement d'un moteur d'avion... Euh, fondamentalement, elle fait un petit peu plus que de tester la limite d'élasticité. Elle écrabouille le truc. Donc on est obligé de comprendre quelles sont les lois de comportement à grande déformation de ces matériaux-là. Et là, le calcul d'éléments finis est devenu totalement inopérant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, bah, on va revenir à l'expérience et on va essayer de développer une phénoménologie assez simple pour décrire cette expérience. Là, vous avez ici une tomographie au rayons X. Vous allez appliquer, donc ça c'est sur, des, alia... sur des, des empilements de... Des empilements de, de sphères en inox. Vous allez comprimer ces sphères en inox avec différentes densités, par exemple. Et là, vous avez la courbe que vous avez sur la droite, c'est-à-dire une courbe contrainte déformation. Donc, vous voyez, ça commence élastiquement, après, il y a une espèce de plateau, puis après, ça redécolle. Là, la physique est assez simple. Pourquoi ça redécolle C'est que vous êtes en train de densifier l'ensemble. Donc, à la fin, vous terminez avec un matériau qui est dense, évidemment. Alors, comment ça se passe à l'intérieur de dedans bah, À l'intérieur de dedans, ça se passe avec un flambement des coques. Donc, vous allez avoir une sphère qui rentre dans une autre et qui va comprimer l'autre jusqu'au moment où il y en a une qui craque. Donc, le résultat, c'est à peu près. Attendez, je vais vous le montrer. Le résultat, c'est à peu près ça. Vous êtes en train de comprimer des sphères et ces sphères sont en train bah, de, de devenir des crêpes. Donc, on a une transition sphère-crêpe. Et évidemment, ça, vous ne savez pas le calculer. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mesurer le nombre de sphères, le nombre de crêpes en fonction de la déformation, puis vous allez avoir une loi phénoménologique simple qui vous dit le nombre de sphères et le nombre de crêpes en fonction de la déformation, et puis vous allez décrire ça comme, un, comme un, une association entre du matériau sain, du matériau endommagé et du matériau compacté. Et ça, ça va vous permettre d'avoir une description simple, phénoménologique, mais simple et utilisable de la loi de comportement complète. Du matériau qui va vous permettre de dire eh bien, voilà la quantité d'énergie que je peux absorber en ayant complètement comprimé euh, mon empilement de sphère. Alors, vous pouvez quand même essayer de vous faire plaisir en vous disant après tout, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les empilements, sur les autobloquants, bah, je peux essayer de le faire en faisant une, une simulation en dynamique d'amas avec le même genre de règles une simulation en dynamique d'amas pour des empilements aléatoires de sphères. Alors, cette simulation en dynamique d'AMA, finalement, elle marche bien pour décrire l'élasticité d'un empilement aléatoire, mais elle a le même problème pour ce qui est de décrire la plasticité de l'empilement aléatoire. Donc la plasticité de l'empilement aléatoire de sphères creuses, sachant que le mécanisme élémentaire est l'écrabouillement de chaque sphère, et fait partie des questions ouvertes dans ces domaines-là. Euh, ce n'est pas tout à fait un hasard qu'on utilise ces outils-là qui viennent des matériaux granulaires. C'est-à-dire que les... la différence qu'on a ici, c'est d'essayer d'utiliser... Une approche qui est plutôt l'approche de mécanique des sols, mais associée avec le fait que chaque grain n'est pas indéformable. Au contraire, il a deux états il a un état écrabouillé, un état pas écrabouillé. Bien, Alors pour vous montrer que ça, ça bon, c'est quand même des matériaux qui ont une bonne tenue. Hein. Vous voyez une, une, un sandwich, euh, et puis là, non, c'est pas un impact d'oiseau, hein, c'est un impact d'un boulet. Okay, bon. Alors vous avez au-dessus une structure, l'autre question qui se posait c'est par exemple est-ce que je suis capable de mettre en forme cette structure sandwich sans pour autant détruire les sphères qui y a à l'intérieur Bon, voilà, il me reste cinq minutes pour faire trois exemples. Bon, donc je ne vais pas faire les trois exemples. Euh, un premier euh, l'exemple d'un brûleur radiant. L'exemple d'un brûleur radiant euh, consiste à faire passer un gaz dans un poreux, encore une fois, un poreux qui est un poreux céramique, compte tenu des températures auxquelles on fonctionne, euh, où certains alliages sont possibles aussi. Euh, et ce qu'on veut, c'est que le front de flamme soit juste au milieu du poreux en question, de façon à pouvoir essentiellement avoir un mode de chauffage qui est un mode radiatif. Donc pour pouvoir calculer ça, on a accouplé un problème d'écoulement de fluide, un problème de dynamique de front de flamme un problème de réaction chimique, parce que c'est ça qui va nous donner la chaleur. Et tout ça doit être fait de façon à, faire, à avoir une, une conception optimale du brûleur radiant pour avoir le maximum de chaleur produite pour une quantité de gaz fournie. Et évidemment, ce que vous voulez faire, c'est que cette quantité maximale de chaleur produite soit produite en émettant en un minimum de NOx et de CO2. Donc voilà votre cahier des charges. Votre cahier des charges, c'est je veux économiser l'énergie sans laisser trop de trucs désagréables sortir du brûleur radiant. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce cas-là. De ce cas ce qu'on a à faire, c'est de la mécanique des fluides dans un matériau poreux, du transport de chaleur, le transport de chaleur se passant à la fois par le gaz et par le matériau poreux lui-même, du transfert radiatif, des taux de réaction en fonction de la température, des produits chimiques qui en résultent. Et puis, évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut, associer la perméabilité, il faut avoir la perméabilité du matériau en fonction de sa structure poreuse et ses propriétés thermiques en fonction de la structure poreuse. Et ce que vous faites quand vous faites ça, vous pouvez sélectionner les matériaux et arriver à des cartes de sélection en termes de matériaux qui vous permettent de dire, eh bien, suivant la puissance que je veux avoir à mon radiateur et à mon brûleur radiant, et suivant la quantité d'énergie que je veux relâcher, la quantité de. De matière nuisible que je veux éviter de relâcher, eh bien, on va avoir à, faire, à prendre comme matériau constitutif euh, soit des dicralies soit des fécralies, et, et avec une géométrie particulière. Une géométrie particulière qui serait un matériau poreux, avec une, cellule, une taille de cellule qui serait de l'ordre du millimètre et une porosité qui est pas loin de 90%. Ça, c'est l'optimum. Pas évident qu'on sache le faire, mais ça, c'est ce qui vous permet d'avoir l'optimum. Alors. Euh... Et je vais voir où j'en suis dans le timing. Oui, bah, je crois que je vais arrêter ça. J'arrive à la fin. À mes conclusions. Donc, ce que j'ai essayé de vous montrer dans ces quelques exemples, qui vont être illustrés cet après-midi, enfin tout à l'heure par, par Olivier Boisise. et cet après-midi, on va voir un certain nombre de séminaires. Euh, déjà, ceux que je connais, il y en aura peut-être que je ne connais pas, qui seront là. Vous allez par exemple voir comment ce type de démarche de matériaux architecturés peut être adapté pour... Pour un, un cas de figure, je vois que Pierre Boled est là, donc euh, sur un cas de figure qui est de faire un bladage électromagnétique. Où là, ce que vous essayez de faire, c'est d'avoir une structure qui est à la fois mécaniquement solide, mais qui est capable d'absorber les ondes électromagnétiques. Et pour faire ça, bah, je ne vais pas déflorer l'exemple le, de cet après-midi, mais pour faire ça, vous êtes vraiment en train de jouer à la fois sur la géométrie, sur le matériau, et vous êtes même en train de fabriquer un matériau en plus de la géométrie, qui est un matériau composite, en prime. Donc vous allez avoir un certain nombre d'exemples, ceux qui resteront là cet après-midi, un certain nombre d'exemples où on essaye de faire cette, cette construction de matériau euh, à, à partir du cahier des charges. Alors ce que je voudrais juste finir par dire ce matin, c'est qu'il y a un certain nombre de questions fondamentales qui restent. Dans ces questions-là, j'en ai esquissé quelques-unes au fur et à mesure qu'on avançait. Mais il y a une question clé qui compose à la mécanique des structures à ce moment-là. Je vous ai dit qu'on essaye de regarder des matériaux dont la distribution de matière est à une échelle qui est comparable à l'échelle du composant. Et ce qu'on aime bien faire, c'est dans une échelle de composants, évidemment, avoir une description en mécanique des milieux continus de ce truc-là. Quelle mécanique des milieux continus doit-on développer pour pouvoir à la fois avoir une description continue de la, du comportement, et avoir, une, et avoir intégré l'échelle intrinsèque du système. Euh, l'interface, l'interface dans tous les cas que j'ai regardés, l'interface entre les matériaux constitutifs est essentielle, donc comment est-ce qu'on essaye d'optimiser cette interface Le comportement collectif est un problème euh, majeur dans ces histoires-là, euh, et en particulier dans les matériaux enchevêtrés. Et un problème de matapli qui est intéressant, c'est que vous êtes en train d'essayer de faire une optimisation pour un cahier des charges qui est plus ou moins complexe, mais le problème qui est curieux, c'est que vous êtes en train de faire une optimisation dans un espace de choix qui est très bizarre. Vous avez des choix discrets qui sont les matériaux, des choix continus qui sont les géométries. Comment est-ce qu'on doit développer des outils d'optimisation qui soient à la fois des outils d'optimisation de choix discrets et de choix continus Alors ça, c'est une question qui intéresse beaucoup les gens de l'optimisation, justement. De se dire, bah, c'est nécessairement encore une fois des outils d'optimisation mixte. Vous pouvez toujours vous dire, je vais utiliser des techniques de type algorithme génétique pour essayer de regarder comment j'optimise entre différents îlots de mon espace des matériaux. Et après, une fois que je suis dans un îlot, utiliser des, des approximations, des optimisations de type continu, de type recuit simulé, pour essayer d'explorer où je me trouve dans, dans un optimum, dans telle zone de l'espace des matériaux. Là, pour l'instant, on est dans une situation où ce truc-là, on le fait un petit, un petit peu au bonheur de la chance, au bonheur de la chance. Et on aimerait bien avoir un guide de lecture systématique de la manière dont on doit choisir l'outil d'optimisation pour essayer de trouver les combinaisons optimales de géométrie, de matériaux et d'échelle. Alors, voilà une liste qu'il ne faut surtout pas lire. Mais euh, bon, elle sera disponible, évidemment, avec tous les éléments du, du cours sur le, sur le site web. Euh, C'est une liste de cas, une liste de cas d'exemple, avec des objectifs d'engineering et les solutions architecturées euh, correspondantes. Et cette liste-là, il ne faut surtout pas la lire parce qu'elle n'est pas finie. C'est une liste où on a des tas de cas qui arrivent au fur et à mesure. Euh, là, vous avez donc des cas de figure où les solutions... Ont été soit complètement développés, soit abordés vis-à-vis euh, -vis de ces, de ces problèmes-là. Alors, au début, j'ai regardé quelques exemples simples de conflits patents, je veux dire rigidité et masse, et là, euh, la suite, c'est des exemples qui sont des exemples plus sophistiqués, du style euh, des outils de coupe euh, pour usinage rapide, par exemple. On peut se dire qu'il faut à la fois que j'ai une très bonne résistance mécanique et que j'évacue la chaleur. Qui est produite par le frottement entre l'outil et, le, et, et, et la, la pièce à usiner. Alors, le triangle de tout ça, c'est qu'évidemment, il faut que j'associe la microstructure et l'architecture. Il n'est pas question d'oublier tout ce qu'on a appris en sciences des matériaux. Et on peut aussi se dire, après tout, est-ce que je ne peux pas aussi essayer d'optimiser la microstructure dans l'architecture que je suis en train de réaliser Mais là, vous voyez qu'il y a des questions pas faciles qui vont se poser c'est que si je veux optimiser une, architecture, une microstructure métallique, par exemple il faut que je puisse faire le traitement thermique de cette microstructure métallique et ce traitement thermique comme son nom l'indique il est thermique donc ça veut dire qu'il va falloir que je couple ça à la thermique de l'architecture que je suis en train de réaliser donc vous voyez que là on n'est pas sorti de l'auberge mais c'est un degré de liberté supplémentaire qu'on peut mettre en place alors les messages à ramener à la maison c'est que les matériaux architecturés tels que je les ai vus aujourd'hui étendent le domaine des euh, le domaine des possibilités, euh, que la modélisation est absolument essentielle pour explorer ces nouvelles possibilités de conception de matériaux, que c'est une manière naturelle de relier les matériaux au design, proprement dit, au design au sens britannique du terme, au design au sens de conception, euh, et qu'il y a tout un ensemble de critères, de, pro, de questions, de procédés qui sont complètement ouvertes dans cette, dans cette situation. Ce que je vous ai esquissé aujourd'hui, je vous ai montré des exemples de construction de matériaux architecturés, puis vous avez vu au fur et à mesure les outils dont on avait besoin. Un des premiers outils qu'on a vu, c'est l'outil de choix de matériaux. L'outil de choix de matériaux, c'est ce que je vous montrerai au prochain cours. Comment, dans un espace de matériaux, indépendamment du fait de faire des matériaux architecturés, quelles sont les méthodes systématiques qu'on peut utiliser pour choisir des matériaux, compte tenu d'un cahier des charges données, dans un espace euh, structuré de matériaux. Donc ça, ça sera l'objet du cours suivant. Et puis après, progressivement, on va revenir, on va redescendre vers les petites échelles et on va se dire, bah, c'est bien beau tout ça, mais si j'ai envie d'avoir cette propriété-là, voilà la microstructure qu'il faut pour avoir cette propriété-là. Et là, on va aller plus profondément dans la physique, la métallurgie physique des transformations pour essayer de savoir bah, comment je peux concevoir les étapes de, transfo les étapes de transformation, comment je peux comprendre la relation entre la microstructure et la propriété, entre le traitement et les microstructures. Et donc progressivement, on va revisiter tout un ensemble de problèmes qui sont des problèmes classiques mais qui sont revus dans l'optique de pouvoir les intégrer dans une conception de matériaux sur mesure. Je vous remercie de votre attention. J'arrive pile poil à l'heure, presque. Euh, et euh, je vais, on va faire une petite pause et puis après, je vais passer la parole à... Olivier Boisis, qui est ingénieur de recherche à ArcelorMittal à la Messe et qui est titulaire de la chaire Areva à l'École des mines de Paris, donc, chaire sur les matériaux nucléaires. Bien, je vous remercie de votre attention. Madame.